Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je reviens avec mon papier toilette. Donc, je vais refaire une carte aujourd'hui avec mon papier toilette. Voilà. Demain c'est l'anniversaire de mon mari, donc je vais faire une carte. Chut, faut pas le dire. Et aujourd'hui je vais tenter de ancrer mon papier toilette. Voilà. Donc, je vous montre. J'ai choisi, bon, je reste sur mes petites cartes en ce moment, une petite carte bleue, voilà. Donc, c'est la 14,5 sur 10,5, hein, 14,8 sur 10,5. J'ai pris un classeur d'embossage avec des cœurs, voilà. Je vais regarder pour retrouver le lien, je vais vous le mettre en barre d'infos. Parce que je sais que vous me demandez maintenant à chaque fois les liens. J'ai sorti des dies, les dies étiquettes. J'ai sorti des cœurs. Oui, c'est mon mari, donc on va mettre des cœurs. J'ai encore ressorti mon Happy Birthday. Alors, je verrai si je mets ça ou un sentiment stickers P.U.F. Voilà. Vous êtes plusieurs aussi à me demander où j'ai ce genre de stickers sentiments. Alors, moi, je les avais eus dans les salons de loisirs créatifs, mais on peut les avoir aussi sur Internet. Donc, je vous mettrai quelques boutiques où vous pouvez le trouver. Mais il y a beaucoup de boutiques qui en font sur Internet. Vous tapez dans Google « stickers peel off ». Je vous le marque là, hop, en bas. Et vous allez avoir toutes les boutiques qui en font. Mais je vais vous mettre déjà en barre d'infos quelques boutiques qui en font. Voilà. J'ai mon petit chip-sheet d'eau, ma Big Shot, du papier comme ça. Voilà. Et comme d'habitude, hein, on verra si j'ai besoin d'autre chose. Voilà. Allez, je vous bascule. Ah, et aujourd'hui, j'ai pris mes mini distress. Voilà. Alors, je ne sais pas encore exactement. Enfin, si je vais prendre du vert ou du jaune, je suis en train de réfléchir. Allez, je vous bascule. Donc, voilà. J'ai plus de sopalin. Bon, bah tant pis, c'est rien. De toute façon, mon tapis, il est, hein, comme d'hab, je ne l'ai toujours pas nettoyé. Donc, aujourd'hui, je vais tenter de faire de ce côté-là. Qu'on va refaire l'ancrage, vous savez, je vous ai fait un effet négatif. Donc là, on va tenter de faire un effet positif avec le papier toilette. Mais d'abord, mon papier toilette. Alors, on va prendre 4 feuilles. Un 4 double carré. Après, on découpe, hein, la longueur. Donc, du papier blanc, hein, c'est l'idéal. Moi, c'est celui d'Action. De toute façon, pour ce que c'est faire, le papier toilette, hein, ça ne sert à rien d'acheter du papier toilette qui coûte une fortune. Que ce soit pour l'utiliser en scrap ou pour autre chose. Bon. Normalement, j'en ai plus besoin, mais je vais le laisser sur le côté. Bon, par contre, je vais mettre ma carte plus loin pour ne pas mettre d'eau dessus. Je le vaporise, ça vous le savez, hein, maintenant. Vous l'avez vu sur la première vidéo. Hop, les deux côtés. Voilà. Ah, j'aurais dû mettre mon encre avant, mais c'est rien. Allez, on va choisir la jaune. Et donc là, je fais de l'autre côté. Hein. Pas là où on sent les creux, c'est là où on sent les dessins. Où les dessins remontent. On va voir ce que ça donne. Si c'est raté, on refera. Par contre, je vais quand même prendre la... Comme j'ai plus de sopalin, je vais reprendre un bout de papier toilette. Hop. Voilà. Je vais mettre mon papier toilette.
Et je vais fermer ma plaque d'embossage. Je prends ma Big Shot. Je vais vous remonter un petit peu pour voir la Big Shot. Excusez-moi. Voilà. Donc, sur le dernier classeur, comme d'hab, on met une première feuille, mon classeur d'embossage, une première feuille, une première plaque, la deuxième plaque. Voilà. Besoin de l'embossage normalement si j'ai pas raté mon coup. Et je vais bien vous remettre. Voilà, désolé pour les mains. Alors, on va voir le résultat que ça donne. Voilà. Donc ça, je le nettoierai après en bas. En fin de compte, je me suis trompée de côté. Je crois que je l'ai fait dans le... Ah oui, c'était ce côté-là que je voulais faire. Bah, écoutez, on va faire les deux côtés. Alors, j'ai déjà fait une première partie, un côté comme ça. Donc, on va refaire le deuxième pour voir ce que ça donne. Désolée les filles, mais au moins vous aurez les deux techniques. Donc je vais reprendre du papier toilette. Vous verrez la différence comme ça. En positif et en négatif. Voilà, avec l'ancrage. Donc là, je vais le mettre de ce côté-là. Alors, comme d'habitude, hop. Ah, ça colle sur mon plan de travail. Voilà, je vais le poser là en attendant. Et je vais ancrer donc ce côté ici. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Bon, celui-là est joli aussi. Hein. Je le garderai pour une autre création. Donc là, c'est le Distress. C'est la quelle couleur, ça? Fossilized Amber. Voilà. Voilà. Donc, je remets mon papier toilette dessus. Je referme. Et je vais reprendre ma Big Shot, du coup. Voilà. Donc, ma plaque... Mon classeur d'embossage, ma plaque et roule ma poule. Comme ça, vous allez voir les deux techniques. C'est pas plus mal. Hop, pardon. Je vais enlever, voilà, vous voyez, donc là, je vais d'abord sécher, j'ai peut-être mis moins d'encre,
Mais bon, c'est... Hop, attention bruit, mais je vais vous couper le bruit. Je vais mettre là-dessus. Donc celui-là, bon, je le ferai pour une autre carte. Là. Je vais le mettre de côté. En fin de compte, là, c'est plus léger. Ce sera mieux. Ça, j'ai plus besoin. Alors, maintenant, ma carte. Je vais voir. Pour la grandeur. Donc, je pourrais recouper encore un peu. Et de toute façon, je vais mettre un fond. Alors, mon fond, je vais le couper tout de suite. Petit chat dans la gorge. Regardez les chutes. Hein. Voilà, et comme ça. Oh. Donc, je vais déjà coller le fond noir. J'aime bien les fonds noirs, ça ressort bien, je trouve. Ah, la pluie s'est enfin arrêtée chez nous. Enfin, on va croiser les doigts hein, pour l'instant. Heureusement, parce que nous, on a une toute petite rivière. Hein. Enfin, moi, j'ai pas de problème dans le quartier où je suis. Même si la rivière déborde, j'aurais pas de problème. Mais on a un quartier qui, lui, est au bord de la rivière. Et lui, ça fait des années, des années, des années que ce quartier est inondé. Et d'ailleurs, cette année, ils ont décidé de le raser. Donc, 80 familles à reloger, puisqu'il y a 80 maisons. Donc... ils vont devoir reloger 80 familles là. Mais bon, c'est une bonne chose quand même parce que quand vous avez votre maison inondée, c'est des maisons en location, hein, c'est des maisons des mines. Nous dans le nord, on a ça.
Voilà, donc je vais recouper encore un petit peu. Couper de ce côté-là. Ce que ça donne, ce qu'il faut encore un petit peu. Non, ça ira. Ah oui, ça te colle, hein. Là, faut que je lave. Là, il n'y a pas. Alors, ma petite bombe de colle magique. Et c'est là que normalement j'aurais besoin du sopalin que je n'ai plus sous la main. C'est rien, j'ai un vieux chiffon avec moi. Faites pas attention, il est sale. Hein. Bon, je nettoie mes encres avec. C'est cette colle-là, hein, celle d'action. Mais vous pouvez coller avec de la colle blanche. Et moi, je trouve que celle que ça, ça me va très bien. Alors, je suis dans le bon sens. Bon, là, ça n'a pas très, vraiment d'importance, mais si je peux mettre les cœurs dans le bon sens, ce serait bien. Alors, j'avais... Je ne l'ai pas sorti, hein, non. Donc voilà. Donc là, ça va sécher. Hein. Je peux même donner un petit coup de souffleur. Ensuite, ah, j'ai pas préparé mon papier, je vais le prendre, il est là tout de suite sous la main. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai du bleu ciel. Ça, c'est du vert. Bleu ciel et bleu foncé. Pour faire des cœurs. Cela aurait été beau aussi. Mais je mets sur le côté. On va pas mettre du rose hein, pour un homme. Le blanc. Je mets sur le côté, je vais peut-être avoir besoin. Donc ça, c'est les feuilles cardstock. Hein. Donc là, maintenant, ça, je mets sur le côté. Un peu de ménage. Ça, j'ai plus besoin sur le côté. Et là, maintenant, je vais avoir besoin de ma Big Shot pour découper mes cœurs. Alors, des petits cœurs. Donc, je vais prendre deux tailles de cœurs. Voilà.
Alors, on va déjà en découper un comme ça. Alors, mes plaques vont de plus en plus mal. Alors, désolé, vous êtes tombé par terre. Je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que vous n'êtes pas fait trop mal. La caméra, le pied, tout a valdingué par terre. Ah là là. Alors, on va y aller en douceur. Tout doux, tout doux. Voilà. Pour plus vous refaire tomber. Hein. Désolé, désolé. Je ne fais que des bêtises en ce moment. Allez, on va faire deux autres cœurs. Parce que je sais faire les deux en même temps, ça gagnera du temps. Ah là là, non, il va falloir que je rechange mes plaques, hein, parce que là, elles sont vraiment mortes de chez mortes. Hop, voilà. Je vous jure. Hein. Bon. Ah, je crois que j'avais perdu un cœur. Allez, viens. Voilà. Et il me restera à faire le sentiment. Voilà. Donc, ben, j'aurai toujours. Il faut que je me retrouve une bombe de doré. Hein. Vous savez que ma bombe ne va plus. Enfin, mon encre dorée. Mais bon, quand je retrouverai une, ça ira. Donc là, maintenant, on va coller les petits cœurs. Alors, est-ce que je mets directement du 3D comme ça? Oui, je pense que ça ira là. Ah, les bêtises, aujourd'hui, ça y va. Hein, là, et le sens contraire pour l'autre.
Bon, elle ressemble à celle des papillons, hein, mais avec des cœurs. Voilà. Ensuite, je vais couper. Alors, une étiquette. Une étiquette sentiment comme ça. Dans le bleu. Ah, j'ai tellement eu peur là avec le pied de téléphone qui est tombé. Je tremble. Ah non, hein. Hop là. Donc, on va d'abord mettre le sentiment. Alors, joyeux anniversaire, il est ici. Donc là, je vais le mettre en doré. Voilà, j'appuierai après. Allez, ah, j'ai la tremblote, hein. Voilà. Voilà. Bon, joyeux anniversaire. Donc, là, je laisse simple l'étiquette. Voilà. Et je voulais... est-ce que j'ai quelque chose? Je ne sais pas. Alors, si je l'ai de même... Ce serait bien. Oh.
sinon j'ai un gros bocal plein de boutons. Mais bon, je vais pas vider tout le bocal pour avoir les deux mêmes boutons. Là, j'en ai peut-être un comme ça. J'essaye de trouver deux boutons pareils sans devoir vider tout mon bocal. Chose impossible, bien sûr. Comme par hasard. Ça, c'est les boutons qu'on peut trouver chez Action. Mais non. Bien sûr, à chaque fois, je vais en trouver qu'un. Oh, c'est casse-pied, ça. Non, là, ils sont trop gros. Je peux mettre deux différents, hein. Je peux mettre un bleu, et si je trouve un jaune, un bleu là, à peu près du même. Alors on va essayer de trouver des tailles similaires. Regardez, ici par contre je trouve les deux tout de suite pareil. C'est malin. Ah, je vous jure. Et puis, je n'ai pas envie de vider mon bocal. Hein. Je ne veux pas. Là, à la rigueur, ça peut aller. Pourquoi mettre des petits boutons? Bah parce que j'ai envie. Je vais coller avec ma colle à bijoux. Là, parce que mettre des perles pour un homme, c'est ça fait plutôt bizarre. Voilà. Des petits mini pompons, j'en ai presque plus. Celui-là, jaune canari comme ça, non, ça va pas. Dommage, j'aurais pas pour en mettre 3. Ah, décidément. Bon, ben, je crois que je mettrai rien d'autre. Mais ça tient déjà, c'est super. J'adore cette colle, hein. Voilà, c'est celle-là. C'est la colle pour les bijoux. Je vous mets le lien
si vous la voulez la trouver. Donc, bon, on n'en mettra pas plus. Donc voilà, ma petite carte avec un petit fond ancré léger. Donc je vous remontre l'autre. Hein. Là, c'était du coup, je m'étais trompée de côté, mais voilà. Donc je vous ferai une carte avec celle-là. Et là, voilà. Alors, attendez, je vous remonte. Donc, voilà. Alors, en faisant la coupure de téléphone, il a fallu que je me rajoute quand même trois petites perles. Voilà. Parce que je trouvais que ça faisait vide un peu, là. Mais là, j'ai mis des perles bleues. Donc, voilà. Bon, ma petite carte. Oh, papier toilette. Mais cette fois-ci, ancré. Et là, bon, ça va. J'aime bien parce que du coup, j'ai pas ancré très fort. Ça reste léger. Donc, vous pouvez ancrer avec toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Je vous rappelle, voilà, je m'étais trompée de côté. Mais voilà, du coup, vous pouvez aussi faire un fond ancré complet. Voyez. Donc, c'est pas mal non plus. Bon, là, j'ai peut-être pas bien choisi la couleur, mais bon. Voyez. Donc, je vous ferai une carte avec celle-là. Donc, j'espère que mon chouchou... Mais de toute façon, il aime toujours mes cartes. Qui va aimer ma carte. Voilà. De toute façon, il les garde sur son bureau à chaque fois. Donc, voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein, malgré mes péripéties du jour. Mais bon, aujourd'hui, je suis un peu... Voilà. ça arrive, hein, des fois. Et bon, j'aime bien les couleurs. Le bleu et l'ocre comme ça, ça va, je trouve que ça va bien ensemble. Bon, les petits boutons que j'ai mis pour changer un peu des perles. Le petit joyeux anniversaire. Donc, je vous remets les liens de tout ça en barre d'infos hein, pour que vous retrouviez tout. Voilà. Et donc, hop, comme ceci. Comme ça, on peut la poser en chevalet. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et ben, laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hein, vous savez que j'y répondrai avec plaisir. Et plein de petits pouces bleus. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses. À très bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse.